Salut tout le monde, c'est Mystique Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi et comme à tous les jeudis, ou presque à tous les jeudis, nous avons des nouveaux défis pour gagner des items gratuits. Donc aujourd'hui, on a l'événement Visiteur de Trou de Verre. C'est quoi ça, l'événement Visiteur de Trou de Verre? C'est des nouveaux défis qu'on a à faire pour gagner un petit texte qui va en dessous de notre pseudo, qui s'appelle Visite des Trous de Verre, 2-5 coups d'ose. Une plaque nominale Mystique Guy. Non, c'est pas vrai. Une plaque nominale multidimensionnelle. Un motif de trou de verre pour notre personnage, notre petit haricot. Et les superbes lunettes 3D rouge, bleu, vert et jaune. Comment qu'on fait pour faire ça? Habituellement, on a des nouveaux défis. Donc, on a une nouvelle section habituellement. Et c'est pas ça présentement. Si on regarde, ça dit pour les défis qu'on doit jouer en émission solo, qu'on doit sauter dans des trous de verre 300 fois et faire la même affaire en émission duo ou groupe. Ensuite de ça, ça dit qu'on doit se qualifier dans manche distordue dans émission solo et dans manche distordue dans duo ou émission de groupe. Donc, il va falloir faire du solo et du groupe. Parce que si on regarde dans le choix de nos émissions, on n'a pas d'émission spéciale qui s'appelle trou de verre. C'est tout simplement le solo et le duo et le groupe qui ont changé. Toutes les émissions ont maintenant des trous de verre à l'intérieur et je vous montre ça tout de suite. Donc là, c'est une map qui semble tout à fait normale, c'est le percute-porte. Vous allez voir, quand on va arriver dans la map, au lieu de rentrer dans les portes, on va devoir rentrer dans des trous surdimensionnels qui vont nous propulser ailleurs. Mais il faut choisir le bon trou, sinon on va revenir à notre place. Regardez bien ça. C'est comme des téléporteurs. Dans toutes les maps, maintenant, ils ont ça. Et dans celle-là, il faut choisir le bon téléporteur. Si on rentre dedans, c'est pas le bon. Il nous propulse par en arrière. C'est le bon. C'était pas le bon. C'est le bon. Ben, c'est compliqué parce qu'on peut pas savoir c'est lequel. Celle-là ici. Oh! Celle-là du milieu. Et voilà, on est calife. Donc, tous les maps qu'il y a en ce moment, et ce, jusqu'à mardi de la semaine prochaine, ont des trous de verre comme ça. Certains nous servent à nous téléporter plus loin, d'autres nous font revenir sur place comme ceux-là. Et ce qu'on doit faire, c'est jouer pour déverrouiller au moins les deux premiers navels. Donc, il faut rentrer dans 300 trous de verre pour la première fois, première étape. Et il faut se qualifier dans une manche spéciale qui s'appelle manche distordue pour la deuxième étape. Autant en duo ou groupe qu'en solo. J'espère que cette petite vidéo-là vous a plu, vous a aidé. Si oui, n'oubliez pas de commenter, de partager le petit pouce bleu et de vous abonner. Ciao tout le monde! Que vous pouvez rentrer. Ça permet à ma chaîne de grandir, donc merci d'avance à tout le monde.